Alors, les quatre éléments eau, terre, air et feu vont encore se déchaîner cette année, encore en raison de l'avancée du réchauffement climatique. Recrudescence de feu aux États-Unis et le Nouveau-Mexique. Le Var sera encore la proie de nombreux pyromanes. La Corse ne sera pas épargnée, ainsi que le Portugal. Grosse tempête dans le Nord et la Bretagne, je vois un flash de vagues déferlantes. Gros épisode neigeux sur la France et la région parisienne. Les États-Unis vont connaître une tempête de neige ainsi que le Canada. Des glissements de terrain avec de fortes coulées de boue. Attention au midi, Japon, Chine, Asie et l'Inde. Avalanche en montagne, les Alpes. Et j'ai vu normalement deux décès. Une avalanche. Séisme sur les îles. Alors l'hémisphère nord, les tempêtes peuvent causer des dégâts sur les satellites, sur les réseaux électriques. Le séisme, Mexique, Égypte, l'Inde, l'Amérique du Sud, l'Asie seront touchés par des tremblements de terre. Tempête sur la Côte d'Azur, tempête ou vent violent sur la Champagne, entraînant de nombreux dégâts, des arbres tombant sur les routes, des tuiles arrachées. Également, la neige sera aussi de retour dans le Grand Est, Paris, la Champagne, les Vosges. Hélas, des catastrophes naturelles resteront encore dans l'actualité. Des villages inondés, des villes sinistrées, des tremblements de terre, des torrents de boue, toujours des pluies torrentielles et des vents violents et destructeurs. Le froid avec toutes les conséquences et une rupture EDF. Je ne dirai qu'un mot, la terre est en colère et se venge.